Alors, on est parti pour un jeu d'énigmes, alors que je m'entends double chez toi, mais je pense que c'est normal. Moi aussi, ouais, je On est t'entends toujours, plus on est avec mon entendre. bro là, on va faire un jeu dans cette magnifique salle qui est bonobro.com. J'ai vu ça. J'avais remarqué. Donc en gros, dans un jeu d'énigmes qui s'appelle We Were Here. Donc un jeu gratos, c'est un jeu gratuit, où en gros vous pouvez jouer avec un pote ou avec un bot. Alors je suis pas sûr du bot. Mais en gros, en fait, vous faites partie d'une expédition à deux, qui était avec comme objectif, pardon, d'explorer un château. Et au moment de rentrer dans ce château, vous vous faites assommer par, bah, vous savez pas quoi. Et quand vous vous réveillez, en fait, vous avez un talkie-walkie. En fait, vous avez juste un talkie-walkie avec vous. Et votre partenaire, dans une autre salle, a aussi un talkie-walkie. Et dans le coup, bah, en fait, avec ce seul moyen de communication, vous allez avancer dans les différentes énigmes. Je pense que j'étais assez complet, non? Ouais. Je pense que c'est bon. Oui, tout à fait. Alors, play from the start. Bah oui. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un code avec les communications. Que tu sais, comme c'est un talkie-walkie, on peut pas parler tous les deux en même temps. Tout à fait. Donc, je te propose qu'à la fin de notre conversation, on fasse terminer, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas dégueulasse. Allez, moi je mets ready. Non, c'est pas dégueu. Et je te Ok, kick. ready. Oh, Kick. merde. Attendez, on va baisser. Ah non, mais je suis con, je vais le baisser chez moi. C'est marrant que par contre que le. Enfin, en passant par le. Ah, bah je t'entends plus. Me diras ça après. Magnifique coupure magistrale. Bon, j'espère que vous allez bien, les viewers. Hein. Bon, en tout cas, ça va super bien. Alors, je sais qu'il était prévu de faire du League of Legends cet après-midi, hein, comme je l'ai dit. Selon où on va avancer, selon le temps qu'on va mettre pour avancer, si on le finit, bah, on va pas faire du League of Legends après. Sinon, bah, ça vous prendra tout le temps, on va rester là-dessus cet après-midi. Voilà. C'est bien, ce petit jeu détente, c'est cool. On est samedi, on est le week-end, on se détend. Donc, l'expédition, vous voyez? L'expédition à deux. 4. Regardez, on va par là. Regardez là-bas. Là-bas. Alors que ça met 2000 ans. Des traces de pas. D'accord, une fusée éclairante. Et un château. Ah d'accord, il a utilisé la fusée éclairante pour éclairer son chemin. Et donc là, on n'est plus que deux. Donc j'espère que c'est cool au niveau du son. Normalement ça l'est. Et voilà. Et on se fait tous les deux assommer. Par un inconnu. Nous étions là. Je vais peut-être troller un peu avec... Ah, voilà. Ouf. Allô? Allô? Au secours! Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Allô? Ah, mais il faudrait que je le prenne. Allô, est-ce que tu m'entends? Terminé. Je répète, est-ce que tu m'entends? Terminé. C'est encore moi. Le jeu est en QWERTY. Le jeu est en américain. Fais attention, terminé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon? Attendez, on va lui envoyer un message. C'est bon? Ah merde, c'est vrai qu'il est en...
Attendez, je vais à la pêche aux infos. Attendez, je vais juste baisser un peu le son du jeu. Attends. Alors si tu m'entends, il faut maintenir la touche hein, pour parler. Terminé. Oui, là je suis... Ah bah voilà. Est-ce que tu m'entends? Terminé. Bah voilà, abruti. Terminé. Je le faisais déjà avant, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. T'as Terminé. Pas maintenu la touche peut-être? Terminé. Je n'en ai aucune idée. Terminé. Bon, t'as bien vu que le jeu était en QWERTY. Terminé. Oui, c'est assez chiant. Surtout qu'on peut pas le passer en AZERTY. Terminé. Bah si, tu peux le passer en AZERTY en faisant ALT-SHIFT. Terminé. Ça ne marche pas bizarrement chez moi. Terminé. Il faut le régler dans tes différents claviers. Terminé. En fait, tu vas en bas à droite, t'as FRA donc pour français, et t'en ajoutes un autre en fait. Donc américain quoi. Terminé. Où est-ce que c'est? Parce que je ne vois pas le truc FR comme tu me dis. Terminé. Attends, tu parles en continu là ou pas? Terminé. Je ne vois pas le truc FR comme tu me dis. Terminé. Est-ce que tu m'entends en même temps? Est-ce que tu peux parler en même temps que je parle? Terminé. Je crois pas. Ah si, tu quand peux. Je commence à parler. Et si, tu peux. Enfin, ça te coupe en gros. Terminé. Ah d'accord. Parce que là, je parlais en continu et dans le coup. D'accord, ok. Terminé. Ah bah oui, non, tu peux pas. C'est comme des vrais talkies. Tu peux pas parler en même temps qu'une autre personne. Terminé. Ouais. En tout cas, faut que tu trouves comment ajouter un clavier parce que là, sinon, c'est très emmerdant. Terminé. Je suis dans les paramètres de configuration, je vais regarder ça, terminé. D'accord, terminé. Bon, on va explorer un peu la pièce. Un bouquin. Alors j'explore en attendant, hein, parce que en fait c'était prévu qu'il... Je pensais qu'il avait fait les différents réglages, qu'il avait un clavier QWERTY. Pas du tout. Donc, alors avant que l'un ne commence à l'est... Faites un pas vers l'ouest, westward, d'accord. Puis commencez à faire deux pas vers le nord. Faites-en un plus vers le nord, mais pas avant d'avoir fait un pas vers l'ouest. Allez à l'ouest jusqu'à que vous touchiez un mur. D'accord. Salut, bon, Dieu. Je suis en train de le faire, ça se charge. Terminé. D'accord, terminé. Je fais la paperasse. Terminé. Ça y est, je suis en AZERTY. Super, terminé. Va falloir que je règle le gamma. Terminé. Pas de soucis. Alors attendez, parce que là, je sens que c'est pas assez lumineux. Attendez deux secondes. Q Brightness. J'avais vu tout à l'heure. C'était où? Ah. Oh, vous avez vu, on voit l'FPS là. Attendez. Je vais le mettre comme ça. Ah non, je veux pas partir. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, ça va être beaucoup mieux. Allô? Terminé. Oui, terminé. C'est bon, t'as réussi? Terminé. Oui, c'est bon, j'ai mon clavier en AZERTY, terminé. Alors, bon, on peut commencer, terminé. Tout à fait, terminé. Alors attends, je vais juste régler ta voix moi dans les options, terminé. Attendez. D'accord, pas de soucis, Russe, terminé. Chat volume. On va le mettre à 70. Est-ce que tu pourrais parler en continu, terminé? Oui, pas de soucis, je peux faire ça pour toi. Après, il faudra que tu me dises dans à peu près quelle salle tu te trouves. C'est bon, terminé. Moi je suis... Alors attends. Ah oui, il y a pas mal de choses. Hein.
Alors, je suis dans une sorte un peu de... Comment dire? En fait, ça ressemble un peu à une église parce que j'ai pas mal de vitraux. Ça se dit vitraux. Terminé. Oui, ça se dit vitraux. Terminé. Eh ben alors, vitraux, terminé. Alors, j'ai pas mal de bouquins. J'en ai un qui m'indique des... Comment dire? Des déplacements. Et j'ai pas encore fouillé le reste. Là, j'ai... Entre les yeux, j'ai un bouquin ouvert avec écrit... avec du sang, présume. Entre les yeux. Terminé. Ah, oui, et bah... moi, j'ai deux poteaux avec les yeux au bout. Alors, je pense que la réponse est là. J'ai des symboles sur le mur. Et moi, j'ai le message que j'ai marqué en sang. Alors, c'est marqué... The answer lies. Je pourrais te rejoindre dès que j'aurai fini d'installer WiiWare. Non mais c'est un jeu à deux. Hein. C'est un jeu à deux, on est déjà deux, hein, dude. Est-ce que tu as entendu? Pas à la fin, terminé. Alors, sur le mur, j'ai un message en sang marqué la réponse ment. Enfin, the answer lies. D'accord. Moi j'ai un parchemin... Alors attends, je t'explique. En gros, j'ai atterri dans une pièce avec un vitrail. En fait, avec un genre de... Une personne couronnée qui tient un livre, en fait. En dessous, j'ai un pupitre, en fait, avec un bouquin ouvert, donc je disais, où c'est écrit « Entre les yeux ». Et à côté de moi, en fait, j'ai des bouquins un peu éparpillés, avec, contre le mur, en fait, un énorme dessin, en fait, un peu, comment dire, illuminati, c'est-à-dire en haut, et avec pas mal de combinaisons de couleurs d'œil, en fait. Terminé. Alors moi, il va falloir que je t'explique tout aussi. J'ai alors deux poteaux. J'en ai un à gauche de moi qui a un œil rouge en haut. Et l'autre, un œil bleu en haut à droite. Œil rouge, œil bleu, c'est ça que t'as dit? Terminé. Dit chez toi. De quoi? Terminé. Sur des murs. Alors attends, donne-moi la couleur des deux yeux. Des deux œils. Des... Oui, bon, tu m'as compris. Donne-moi la couleur. Terminé. À gauche, il est rouge. À droite, il est bleu. Terminé. Alors, j'ai une combinaison pour toi, alors. C'est-à-dire que moi, je peux te dire, en fait, à quel symbole correspond la couleur de l'œil. Terminé. D'accord, ok. Terminé. Alors, tu m'as dit qu'œil rouge à gauche, n'est-ce pas? Terminé. C'est ça. Terminé. Alors moi, ce que je vois, c'est un genre d'ovale avec une croix. Une grande croix. Terminé. Ok, je le vois. Terminé. Est-ce que ça te sert à quelque chose? Terminé. Directement appuyé dessus, selon toi. D'accord. L'autre, c'est un œil bleu. Terminé. Oui, c'est ça. Terminé. D'accord. Alors l'œil bleu, j'en ai... Ah mais attends, j'en ai... Ah non, mais attends, j'ai fait de la merde. Attends, c'est pas du tout ça, l'œil rouge. Terminé. Ah bah voilà, si tu commences comme ça. Mais non, mais en fait, j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs combinaisons. Je suis aveugle man, parce qu'en fait, je suis en train de gérer les sons en même temps. Terminé. T'inquiète pas, c'est pas grave, terminé. Alors, l'œil rouge et l'œil bleu. Donc, l'œil rouge, en fait, c'est un pied de biche. Tu vois ce que je veux dire? Et l'œil bleu, c'est ce que je te disais au début, donc l'ovale avec une croix dedans. Avec une croix qui passe à travers. Voilà, terminé. Ok, bah écoute, je vais essayer d'appuyer sur les deux, je les vois très bien. Et je te dis ce que ça fait, terminé. D'accord, terminé. J'ai eu des succès, terminé. Ça a réussi, ça m'a ouvert une grille avec une porte, et donc là j'atterris dans une seconde. Moi aussi j'ai une porte ouverte, terminée. Mais le truc c'est qu'en fait, j'ai une autre porte qui est verrouillée. C'est-à-dire que je pourrais avoir deux chemins différents. Je pense, terminé. Ah d'accord. Moi quand je rentre dans cette pièce, alors j'ai une fenêtre en haut, j'ai un vitrail. Et j'ai une autre porte. Hiéroglyphe. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai qu'un seul chemin possible, terminé. Alors moi j'ai un plan devant moi. J'ai un plan. En fait, le truc c'est que j'ai pas mal de choses. Mais en fin de compte, on a... Je pense qu'on devra revenir dans cette salle pour déverrouiller d'autres salles, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Terminé. Oh ?
Oh! Alors, Houston, j'ai un problème. J'ai un film que je peux prendre avec moi. Où c'est écrit les meilleurs mouvements au monde aux échecs. Non, pardon. World's greatest chess moves. Les meilleurs gestes d'échecs au monde. Terminé. D'accord, bah alors moi je vais te dire ce que j'ai dans la salle. On a trois de chaque. J'ai un Ah, t'as tableau énormément de avec retard, hein, dude. l'ensemble de symboles, voilà. Et au bout de cette pièce, j'ai un magnifique tableau de je sais pas quoi, une sorte de drôle de piaf avec une coquille d'escargot sur le dos. Et en dessous, je peux placer trois symboles. Je suppose que ce sont des symboles que j'ai sur le côté à placer. Terminé. Alors, je viens de rentrer dans la salle que tu m'as déverrouillée, puisque dans le coup j'ai lâché le film. Alors, j'ai une salle remplie de tableaux. Et quand tu m'as dit escargot, il me semble que j'en ai vu un, mais il faudrait que tu me refasses ta description. Terminé. Alors c'est assez difficile, mais c'est une sorte de grand oiseau. Il a une queue assez touffue et il a une coquille d'escargot sur le dos. C'est genre une autruche? Terminé? Pas vraiment, mais si ça peut t'aider, j'ai un autre truc. Il a deux becs. Il a un bec pointu sur la droite et un tout petit bec sur la gauche. Terminé. Attends, il a les pieds palmés? Terminé? Oui, tout à fait, c'est un oiseau. Terminé. Ok, je pense avoir ton animal. Terminé. Ah! Ah! Alors, t'as besoin des symboles? Terminé. C'est exactement ça. Terminé. Alors, je t'explique. Alors, le premier, c'est un. En fait, on dirait quelqu'un qui hurle en fait avec trois carrés. Et en haut et à droite de ce visage, en fait, t'as trois traits. De à gauche et à droite. Terminé. Oui, en effet, au départ, je voyais pas et j'ai tout de suite trouvé. C'est bon, terminé. Ok. Alors je passe au deuxième. Le deuxième, c'est un ver. En fait, où en gros, t'as des couilles juste en dessous. Terminé. Un verre avec des couilles en dessous, là je vois pas par contre. Est-ce que tu vois un verre de vin? Terminé. Oui, je vois un verre de vin. Alors, tu vois un verre avec des pétales juste en dessous. Terminé. Oui, En fait, imagine, alors, tu as le bas du. Le pied du verre. Et en fait, fait deux traits. Deux traits, en fait, symétriques. À cette symétrie, tu as une barre qui remonte. Et tu as la coupole du verre tout en haut. Et en dessous de la coupole du verre, en fait, t'as comme deux pétales. Terminé. Ah, c'est bon, oui, c'est là, terminé. Je suis bon en description, apparemment. Terminé. Je peux passer au troisième? Terminé. Oui, tu peux, terminé. Alors, le troisième, c'est une bite avec un genre de drapeau en haut. Le mât d'un drapeau. Terminé. Vraiment très fort, toi. Un serpent avec des couilles et ensuite un mât avec une bite. Non, j'ai dit un ver avec des couilles. Terminé. Oui, enfin bon. Je trouve ce symbole, nom de Dieu! Terminé. Redis-moi à quoi il ressemble. Imagine. Alors, tu as un rectangle. Un rectangle avec un cercle par-dessus. Un cercle au-dessus de ce rectangle. Et au-dessus de ce cercle, t'as comme un T. Mais un T sur le côté. Terminé. Il va trouver. Il va trouver, vous avez Alors pas. là, je suis en train de le chercher et je ne trouve aucun truc qui ressemble à ta description. Terminé. Attendez. Je fais ça, comme ça on est bon. Je ne trouve pas du tout, franchement. Désolé, terminé. Ça devrait être un peu mieux. Tu peux terminer. Alors.
Imagine un rectangle sans le trait du bas. Imagine un rectangle posé sur le côté. Enfin, qui va vers le haut. Terminé. Bizarre, enfin j'ai pas de rectangle déjà. Enfin, de... Non mais c'est un rectangle mais avec trois côtés seulement, le dernier est effacé. Terminé. Non c'est bon, je viens de comprendre, je suis sûr d'avoir trouvé, c'est bon. C'est bon ? Terminé ? Ah putain, non, c'était pas ça. Putain, en fait, il y en a un qui ressemblait, mais du coup, quand je l'ai mis, ça me l'a enlevé. Bon, c'est... Imagine un cylindre avec une coupole au-dessus. Pour l'instant. Terminé. Un cylindre avec une coupole. Ok, terminé. C'est bon ? Tu le trouves ou pas ? En fait, tout ce qui manque, c'est un petit truc au-dessus de cette coupole. Terminé. Celui que j'avais pris, mais malheureusement, ça n'a pas marché, je ne sais pourquoi. Ah, bah alors c'est peut-être pas le bon animal. Terminé. Et peut-être. Ah mais attends, rappelle-moi la tête de ton animal. Il a deux becs. Terminé. Oui, c'est ça, il a... Ah bah, laisse tomber, je me suis gouré. Terminé. Très pointu, je veux dire. Et un très court sur la gauche. Il a face d'escargot. Il a les pieds palmés, de grandes jambes, une sorte de queue touffue. Terminé. Ah bah laisse tomber, c'est moi qui me suis planté. Terminé. Tu pues, terminé. Je sais, terminé. Alors, premier symbole. Attends, la queue touffue, elle va vers le haut ou vers le bas? Terminé. Elle va vers le haut, terminé. Ok, c'est bon, je l'ai. Terminé. Alors... Alors le premier symbole, on va le déverrouiller. On dirait un hameçon qui va vers le haut, avec deux chevrons Citroën dessus. Est-ce que tu le vois? Terminé. Ah merde! Ah merde! On a été trop lent. On a été trop lent. Ah bah non, skip. Alors je crois qu'on n'a pas été assez rapide. Terminé. Oui, je crois que c'est ça, terminé. C'est dégueulasse, terminé. Non mais attendez, y'a pas moyen de dégager le... Oui, tout à fait, terminé. Ah mais putain, on a tout le temps la porte en partie. Bon, c'est la même combinaison de dieu ou pas? Terminé. Alors cette fois, le bleu est à gauche et le rouge est à droite. Bleu, rouge. Alors, bleu, c'est un M. Rouge, imagine un toboggan. Terminé. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Bah, je te laisse activer, terminé, c'est bon. Animal, maintenant, terminé. Ouais, je vais te le dire. Alors, c'est le même oiseau avec deux becs, mais cette fois, il n'a pas de pieds palmés. Il a des pieds, enfin des pattes d'oiseau, vraiment, c'est avec deux petites griffes. Il n'a pas de coquille d'escargot. Il a toujours ses deux becs, le pointu vers la droite et le court vers la gauche. Il a une petite touffe de cheveux, une petite crête, enfin, pas crête, mais comme petit œuf, une mèche, là, vers le haut, noir. Je l'ai terminé. Cette fois elle est plus lisse. Merde. Et elle va vers le bas. Je l'ai terminé. Ok, super, terminé. Y'en a qu'un qui peut être comme lui. Terminé. Ok. Quand on a perdu, j'ai flippé parce que d'un coup il y avait un énorme bruit de monstre dans mon oreille. Terminé. Ah, moi j'ai rien entendu. Lol. Terminé. Alors, premier symbole. Ben dans le coup, c'est le troisième symbole de tout à l'heure. Le coup de. Cylindre, coupole et un T en haut. Terminé. Ok, terminé. Deuxième symbole, le verre de vin avec les pétales. Terminé. Ok, terminé. Troisième symbole, imagine un chat, mais fait avec que des bâtons. Terminé, c'est-à-dire que tu as la barre du milieu avec les bras. Et au-dessus, tu as un carré, mais en forme de losange, tu vois. Ah bah tu l'as déjà fait en fait, succès déverrouillé, terminé. Oui,
Oui, voilà, j'allais te dire que j'avais terminé, mais comme tu parlais en même temps, je pouvais pas t'interrompre. Terminé. Terminé. Alors je vois la prochaine salle, terminé. J'ai une porte qui est encombrée par des caisses, je sais pas si c'est un rapport. J'ai des tuyaux rouges, et en bas de cette porte, en bas, j'ai une sorte d'escalier en fait. J'ai une porte, donc que je ne peux pas atteindre, où il y a de l'eau, donc j'ai de l'eau sur moi. L'eau monte, oh putain, l'eau monte! Et... Quelle couleur terminée? Qui est gris. Quelle couleur terminée, tuyau? Rouge, C'est bon, terminé. Il me faut une autre couleur peut-être, terminé. Sur la porte, circuit green, terminé. J'ai pas vert, j'ai jaune ou bleu, terminé. Ah, c'est le vert est marqué en jaune, terminé. Je teste le jaune, terminé. C'est fait, terminé. Putain, ça n'a rien donné, terminé. Bah j'ouvre la bleue, hein. Au pif, terminé. Ça fait quelque chose, terminé. Non, mais le souci c'est que j'ai que ça, j'ai marqué green, enfin j'ai y a écrit green marqué jaune sur la porte et j'ai des tuyaux rouges, c'est tout ce que j'ai. Non mais en fait on est trop con, faut que je fasse du vert avec du bleu et du jaune quoi. Terminé. Ah ok, terminé. C'est bon, terminé. Oui en effet, j'ai failli mourir noyé, mais c'est bon, Bah en fait je l'eau. savais pas moi, en fait je savais pas puisque moi je suis... Bah en fait j'avais genre 36 000 escaliers en fait. Terminé. Ah d'accord. En fait je suis descendu sous-sol du château quoi, comme un gros clodo. Terminé. Avec une plaque de pression, j'arrive dans le couloir avec une plaque de pression au milieu. Alors j'ose pas marcher dessus, mais c'est pas terminé. Alors moi j'ai rien puisque en fait moi faut que je remonte dans la pièce centrale. Bah, ce que je présume être la pièce centrale. Et je sais pas où je dois aller, terminé. Attends, je viens de trouver un film. Terminé, je sais où il va. Terminé. D'accord, moi je peux, j'ai pu ouvrir une porte et donc là j'ai une sorte de levier, je vais l'activer. Terminé. Merde. Merde. Nul. Attends, j'essaie de mettre le film, mais c'est compliqué. Terminé. Pas le prendre. Tu as quoi toi? Terminé. Alors là, je suis dans une salle avec plein de corps un peu partout et j'ai un message en sang marqué Bring down the guiding light. Moi j'ai un levier en fait, c'est-à-dire qu'en gros j'ai deux étages en fait dans ma pièce. J'ai l'étage on va dire rez-de-chaussée où il y avait les bouquins et tout et en fait j'ai un étage où j'ai en fait une salle avec avec un projecteur. Et j'ai un levier. Et je sais pas ce que fait le levier, terminé. D'accord, bah moi là j'ai une salle avec. Justement j'avais un levier aussi, mais ça m'ouvrait des grilles en fait permettant de passer. Voilà, terminé. Bah je vais appuyer sur le levier, terminé. Ça a fait quelque chose de ton côté? Terminé. Allô? Terminé. Ou alors je ne l'ai pas vu, terminé. Bah en tout cas j'ai baissé le levier donc après je sais pas ce que ça va faire, terminé. Et ça je peux Mais pas moi le... je sais pas quoi du tout faire parce qu'en fait j'ai enfin, c'est une énorme salle, il y a plein de couloirs partout, je peux me balader vraiment partout. Et il y a juste ce message ensemble. Attends c'est bon, j'ai quelque chose sur la carte, terminé. Like. J'ai quelque chose sur la carte, terminé. Ah, c'est quoi terminé? En fait ouais t'oublies de dire terminé des fois. Alors... sur la carte, j'ai des flèches, j'ai des logos de couleurs. Attends, je peux peut-être la prendre. Ah non, je peux pas la prendre. Et donc en fait, j'ai des croix et tout. Alors attends, t'es arrivé par quoi comme porte? Une porte blanche. Est-ce que tu peux me donner des infos? Terminé. Tout à fait, je suis arrivé par une porte et il y a une sorte d'émeraude, je sais pas quoi, enfin pas d'émeraude de merde, bijou blanc. Je crois avoir compris. Alors, moi j'ai plusieurs croix en fait sur mon plan. Donc si j'ai bien compris, il faudrait que tu fasses deux fois à gauche. Et en fait, tu devrais avoir trois caisses. Bah tu devrais avoir quatre caisses, c'est-à-dire trois caisses carrées, cubiques.
et une rectangulaire, et il y a une croix bleue là-dessus. Terminé. Alors, je n'ai pas de caisse. Tout ce que je peux dire en faisant deux fois gauche, je suis arrivé dans une des petites salles qu'il y a, et il y a des petits soldats en bronze un peu partout. Je viens de perdre mes couleurs. Je reviens, terminé. D'accord, terminé. Ah, je peux pas relever le levier, terminé. Je pensais que c'était le levier, terminé. En fait, t'as dû faire quelque chose de ton côté qui a dû me mettre les couleurs. Terminé. D'accord, attends, tout à l'heure j'avais trouvé un levier, peut-être que c'est ça, je vais essayer d'appuyer dessus pour voir. Terminé. Bon, je go sur R6, dès que tu veux game, n'hésite pas. J'ai appuyé sur le levier, est-ce que ça a fait quelque chose? Terminé. Pour l'instant, j'ai rien, terminé. Alors, je viens de trouver un bouquin à côté de ma carte. Je vais regarder ce que c'est. Mais en fait, chaque bouquin me donne... en fait, pas des coordonnées, mais tu vois, des déplacements. Mais après, je ne sais pas d'où commencent les déplacements, tu vois. Terminé. Oh putain, moi j'ai vu un monstre, mon gars, terminé. Putain, je sais pas, ça ressemble à une sorte de troll, mon gars, c'est... Bah, ça va être le mec qui nous a assommé, terminé. Normalement, j'arrive sur une porte bleue. Terminé. Attends, t'as dit un monstre ? Terminé ? Ouais, enfin, ça ressemble, je sais pas, c'est une sorte de gobelin, mais j'ai pas eu le temps de voir, j'ai juste vu... Mais attends, il dirige vers toi ou peut-être vers moi, ça se trouve ? Terminé. Je sais pas, ok, je suis en train de me diriger vers lui, parce que j'ai ouvert la porte bleue qui me menait vers lui. Terminé. Ah, bah j'ai vu une porte bleue tout à l'heure sur mon plan. Mais je sais pas d'où ce que c'est. Terminé. Et là, j'ai une porte verte que je peux ouvrir, mais je ne sais pas où est le levier vert pour l'ouvrir. Bah, en fait... Je pourrais te les donner, mais j'ai plus les couleurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais les couleurs sur ma carte. Et j'aurais pu te dire où aller, en fait. Terminé. Je crois que je suis paumé. Terminé. Ah, j'ai trouvé le levier vert. Mais je suis trop con. Attendez, mais je suis trop con. Attendez, il est... Ah non, il est aussi vert, le bouquin. Non, il est bleu. Ah, mais attends. Attends, je crois avoir compris. J'ai compris le mystère. Terminé. Defense Star Sinistre. Je pense avoir compris. C'est-à-dire, c'est quoi le mystère? Terminé. Alors, j'ai des bouquins avec des couleurs différentes. Ça se trouve, ils mènent chacun à un levier de couleur chez toi. Terminé. D'accord, terminé. Là, je le sens mal. Ça se trouve, il va remonter de là, le troll qu'il a vu. Maintenant, je le sens mal parce que j'ai l'impression que le troll va venir chez moi. Je sais pas pourquoi. Terminé. Bah écoute, moi je flippe, je me fais caca dessus, parce que je cherche, enfin je tourne partout autour de moi voir si je le vois pas. je suis enfermé parce qu'au final j'ai bougé le levier vert, ça a fermé la porte verte derrière moi. Et de l'autre côté j'ai une porte bleue, je ne sais pas comment enlever. Alors écoute, en fait, à chaque fois que tu vas baisser un levier, ça va ouvrir une porte et enfermer une autre. D'accord ? En fait, tu as deux portes par couleur. Tu vois ce que je veux dire? Terminé. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Terminé. Alors, tu m'as dit une porte bleue. Terminé. Oui, c'est ça, bleu. Terminé. Alors, je vais essayer de voir comment t'aider. Terminé. Ok, très bien. Terminé. Attendez, j'avais dit quoi? Il y avait une porte. Il y avait un levier bleu. Ah, c'est ça. Alors écoute, j'ai un bouquin bleu. Le truc, c'est que je ne sais, comme je te l'ai dit, je ne connais pas les origines de déplacement. Donc je vais te donner le déplacement. Et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, tout à l'heure, je t'avais parlé d'une croix bleue. Et je pense que c'est... Cette croix bleue, en fait, ça va être le levier. Je pense. Voilà, terminé.
D'accord, alors moi pour te dire, je suis revenu au point de départ pour qu'on puisse être tous les deux au même point. Donc je suis, enfin la porte blanche est dans mon dos, j'ai toujours le message en sang marqué devant moi, alors je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, enfin bon, il doit y avoir sûrement un sens. Et par terre, moi j'ai une croix, tu sais, de navire, là, enfin, qui t'indique le nord, sud, est, ouest. Putain, j'ai eu peur, je croyais que c'était des pas. Là, j'ai eu les boules pendant un moment, et je croyais avoir entendu des pas, terminé. Ah oui, mais moi aussi, en fait, c'est tout le temps des bruits de pas, en vrai, terminé. Mais je pense que c'est peut-être juste, c'est rien, en fait. Ça se trouve, c'est... Ah mais ça se trouve, en fait, il attrape l'un de nous, et s'il nous attrape, en fait, ça nous refait recommencer, terminé. Ouais, je pense que c'est ça. Attendez, on va peut-être baisser un peu le son. Et il y a peut-être un peu fort. Il joue avec sa nourriture. Alors, en partant de la porte blanche, si je vais deux fois à droite, j'ai le levier bleu. Alors attends, c'était écrit quoi en sang? Le message en sang, il disait quoi? Terminé. Alors je vais te le redire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon. Alors bring, donc apporter, down, the guiding light. Enfin je t'ai dit guiding, mais c'est G-U-I-D-I-N-G, donc je pense les lumières qui donnent la voix, je sais pas. Bring, c'est pas porter? Oui, c'est porter. Porter la lumière qui vous guide. Terminé. D'accord, et je ne t'ai pas dit aussi, mais toutes les torches que je vois, je peux les éteindre. Je sais pas si ça peut t'aider, mais il y a... Ça se trouve, c'était pour t'empêcher d'avoir le monstre. De quoi? Je disais, ça se trouve, c'était pour empêcher que le monstre te voie. Terminé. Ah, peut-être. Terminé. Tu l'as pas revu, terminé? Non, je ne l'ai pas revu, terminé. J'ai tellement peur qu'il vienne chez moi, terminé. Pareil, terminé. Alors, je peux te lire le bouquin bleu, moi, en attendant terminé. Eh bah écoute, vas-y, lis-le, moi, terminé. Alors, ah, est-ce que par hasard, pardon, à côté de ce que tu avais, c'est-à-dire du levier ou quoi, est-ce que t'as des symboles à côté de toi, terminé? Qu'est-ce que tu entends par symbole? Des symboles comme l'animal de tout à l'heure avec l'escargot et tout. Terminé. Ah oui, alors, je te redis. Donc, je sors du couloir de la porte blanche. Donc, j'ai le message. J'ai la croix qui t'indique nord, sud, est, ouest. Et quand je vais à l'est du message, j'ai un chien qui a sa tête en chandelier. Il a une bougie sur la tête et une bougie sur chaque oreille. Terminé. Quand tu vas à l'est, terminé. À l'est de la porte, donc c'est-à-dire la porte blanche est dans mon dos. En fait, il y a la flèche rouge du nord qui marque face au message marqué en sang. Et donc, si je vais à droite, c'est à l'est par rapport au message de sang. Et donc voilà, terminé. Je vais te lire le bouquin bleu parce que je pense que ça peut être intéressant. Alors, en commençant par l'est le plus loin, donc je pense là où tu étais. Après avoir fait deux pas au nord, en fait on va faire un truc. Je te lis chaque ligne de déplacement et tu me dis terminé. En fait, je te dis terminé, tu me dis si c'est bon et après j'enchaîne. D'accord? Terminé. Ok, terminé. Alors, commencer au plus loin à l'est. Terminé. Ok, terminé. Donc je me retrouve devant le chien bizarre là. Terminé. Après avoir fait deux pas au nord, terminé. Terminé. Ok, terminé. Head two steps towards the west. Terminé. Ouais, je monte vers l'ouest. Je monte un escalier. Terminé. Tu fais deux pas vers le nord. Terminé. C'est bon, terminé. Tu fais un pas à l'est avant d'avancer tout droit, encore une fois. Avant d'avancer, fais déjà un pas vers l'est. Terminé.
Ouais, c'est bon, terminé. Et donc maintenant, tu dois avancer tout droit, encore une fois. Terminé. Ok, alors je passe, il y a sur la droite, il y avait la porte verte, mais je la passe du coup. Et dans le coup, ça donne quoi maintenant? Terminé? Alors il y a à l'est, j'ai une salle noire, il y a rien. Elle est toute noire, il y a rien du tout dedans. Bah là en fait, t'es là où je t'ai amené avec le bouquin. Donc je sais pas ce que ça fait en fait. Terminé. C'est assez étrange parce que ça m'amène vraiment, il y a rien quoi. C'est tout noir et tout ça. Terminé. Y a un truc là. Bah je peux peut-être te lire un autre bouquin dans ces cas-là. Terminé. Bah je sais pas parce que si ça m'amène à rien, je sais pas, c'est bizarre. Terminé. Bah peut-être que c'est la suite. Terminé. T'as une couleur à côté de toi ou pas? Terminé. Excusez-moi mais... Enfin, j'ai la porte verte à côté de moi, mais elle est fermée. Terminé. Bah, je peux peut-être te lire le bouquin vert dans ce cas. Terminé. Bah, écoute, essaye. Terminé. Alors. Ah oui, mais le problème, c'est commencer au plus loin à l'ouest. Terminé. Ça me fait revenir sur mes pas. Terminé, ok. En fait, je pense qu'il va falloir que tu reviennes au début, peut-être. Terminé. Ouais, je pense que c'est ce que je fais parce que là, ça donne rien, c'est bizarre. Alors s'il y en a qui ont des idées sur le chat, n'hésitez pas. Hein, ça peut aider. Mais t'as pas un bouquin blanc, terminé. Attends, je fais le tour des bouquins, terminé. En fait, j'ai 4 bouquins. J'en ai un rouge. J'en ai 2 bleus, bizarrement. J'en ai 2 bleus. Et j'en ai un vert. Ah non, pardon, j'en ai 2 rouges. Terminé. D'accord, c'est vraiment très bizarre. Terminé. Il y avait rien en dessous, on est d'accord. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les deux bouquins... En fait, les deux bouquins de chaque couleur se ressemblent. Mais en fait, il y en a un qui est plus long que l'autre, en termes d'explication. C'est ça qui est bizarre. Attends. Sunday is a far west. One movement twice. Attends, je compare les bouquins rouges. C'est pas les mêmes. Terminé. D'accord, ok, terminé. Alors là, je sais pas du tout comment je peux t'aider. Terminé. Bah, je t'avoue que je sais pas quoi faire non plus. J'ai juste fait, en partant de la porte blanche, je vais un petit peu à l'est. Pas totalement comme tu m'avais dit tout à l'heure. Je vais au sud cette fois et j'ai le levier bleu. Terminé. Ah mais le truc, c'est que je pense que je dois te guider, mais avec en fait les couleurs des bouquins, je pense. Donc je présume qu'une couleur de bouquin t'amène à une couleur de porte. Voilà, terminé. Ça se trouve, c'est ça en vrai, terminé. Mais tout à l'heure, tu m'avais lu le bouquin vert, terminé? Le premier? Terminé? Oui, c'est ça, terminé. C'est un bleu, terminé. Alors, c'est très bizarre parce que justement, ça m'amenait pas loin. Enfin, pas loin, ouais, franchement, d'une porte verte, mais il n'y avait pas de porte bleue. Bah, moi. Terminé. À moins que je sois en miro, c'est d'un bleu, terminé. Non, mais pas, je te crois, mais c'est bizarre, terminé. En fait, j'en ai deux de chaque. En fait, j'en ai deux de. Deux bleus, deux verts. Deux bleus, deux rouges, pardon. Et un seul vert, terminé. D'accord, c'est en effet un peu bizarre, terminé. Donc je pense qu'il faut que. D'abord, je te lise le vert et après, on voit ce qu'il faut faire. Terminé. Ok, bah écoute, essaye, terminé. Attends, je vais me remettre à la porte blanche, terminé. Compliqué. Est-ce que je peux commencer? Terminé. Attends deux petites secondes. Hop, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Terminé. Alors, en commençant le plus loin à l'ouest. Terminé. Ok, je vais au plus loin à l'ouest. Terminé. Faites deux... Take two steps northbound. Donc, je pense vers le nord, mais je suis pas sûr. Terminé.
putain, il y a une sorte de monstre bizarre. Hein. J'ai vu un gros lézard. C'était vraiment un lézard cette fois. Je l'ai vu. Terminé. Non mais attends, mais il bouge ou pas? Terminé. Ouais, il a bougé, mais en fait, dès que j'ai essayé de tourner la tête pour le voir, il avait disparu. Et what the fuck? Je crois qu'en fait, j'ai la meilleure position. En fait, je crois que j'ai compris en fait les postes. C'est-à-dire que The Librarian, en fait, c'est moi. Donc d'un coup, j'explore les bouquins et toi, t'es l'explorateur. Donc toi, tu te tapes tout le chemin. Terminé. Oh putain, c'est le mauvais choix, en fait. Terminé. Ouais. Il y aura moins d'action pour les vieux, hein, c'est terminé. Oui, par contre, ça c'est pas faux, terminé. Alors, t'as fait Northbound là, terminé. Oui, c'est ça. Alors, juste à droite, en gros, j'ai une porte bleue. Et en face de moi, j'ai un chien. Alors, je sais pas ce que c'est cette race, mais un chien qui bave avec sa langue. Il bave. Alors, moi, c'est écrit qu'en gros, il faudrait que. C'est écrit Head East Twice. Donc je pense que ça doit être tourne la tête à l'est deux fois. Terminé. Oui, donc ce que je disais, à l'est, du coup, j'ai une porte bleue. Enfin, à l'est, puis au nord, par contre. Et en face de moi, j'ai un chien qui bave. Terminé. Ah, mais moi, c'est écrit Head East Twice. Donc pour moi, c'est faut que tu ailles deux fois à l'est. Terminé. Bah, deux fois à l'est, je ne peux pas... J'atterris dans un... Un chevalier, terminé. Alors, après Head East Twice, tu as... après avoir bougé vers le... Après vous êtes déplacé vers le nord deux fois. Terminé. Ouais, terminé. Oula. Il y en a un qui peut aller vers la porte. Après avoir fait un pas... vers le mur de l'est, de l'ouest, pardon, vers le mur de l'ouest. Terminé. Ok, terminé. Est-ce que t'as une porte? Terminé. J'ai le levier vert. Terminé. Tire dessus. Terminé. Là, ça m'a enfermé, justement. C'est bizarre. Terminé. Comprends plus rien. Terminé. Moi non plus. Terminé. T'es tout seul. Terminé. Oh merde. Terminé. Non mais, on va faire un truc, c'est qu'on va couper la VOD là et on va faire une petite pause de 5 petites minutes et on se retrouve juste après. D'accord. Terminé. Attends, je suis devant la porte rouge. En fait, en rouvrant la porte verte, je suis passé et il y avait la porte rouge là. Je ne l'avais toujours pas vue, celle-là. Bon, alors attends, on va faire une pause de 5 minutes et on va se revoir après. On revient sur le Discord en attendant. Terminé. D'accord, terminé. Bon, les viewers, on va faire une petite pause de 5 petites minutes et on se retrouve juste après. Hein. Allez, à tout de suite.